Connexion en carton mousse aujourd'hui, mais ça revient. Ce daddy ou ce monsieur ou ce daddy, son géniteur ou son protecteur. Ouais, mais c'est peut-être encore dans la pub, ça se trouve. Re. Un petit peu. Je sors avec Dave. Je ne sais pas. Hein. Vitini, Daddy. Ah, mais c'est ici. C'était juste ici. Je suis aveugle. Après, c'est vrai que je dis qu'elle m'arrête pas de m'appeler Daddy, mais bon. Souchong a réussi à établir, à créer un lien entre. Un lien vraiment de. Entre les petites sœurs et les daddies. Donc même si j'en suis pas, je suis pas son daddy, bah, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Hein. Jet de piège. Vas-y, je tombe en plus. Je sais que tu es là et je sais qui t'es. Vous. Voulais pas tomber, moi. Je remonte comment? Comme ça. Ah, je suis gardé, moi. Avant. C'est pas possible. C'est des échos là qui me font à chaque fois sortir du jeu. C'est pénible. Carton mousse. Je vais faire un genre de téléthon. Donnez-moi pour la connexion. Ah, c'est pas vrai, c'est pas bon. Oh, c'est ça que. C'est intéressant. Ça, j'utiliserai bien pour combattre la grande sœur. C'est bon. Tu leur que quelques minutes, le temps de cuire à tout de suite, pas de soucis. Bonne cuisson. Peut-être que j'ai pas fini. Pas qui j'ai pas fini en fait. Il est là.
sac 800. Il y a bien un daddy que j'ai pas fini. Une recherche que je n'ai pas fini, mais laquelle? Tu vends du rêve lourd? Je n'aime. Du tout. Fort, j'ai dit. Hop, hop. Ah, ils sont passés où les drones? Oh, ils ont disparu? Comme je le disais, je compte m'en servir contre la grande sœur. Dommage. Rip ma gueule. Alors, allez, la dernière petite sœur normalement. Par Eleanor. Te sauve. N'oublie aucune petite sœur, en effet, c'est bien la dernière, mais de rien. Les filles me parlent, papa. Elles t'ont laissé un cadeau au jardin des glaneuses. Ah, sympathique. Avec la caméra ici qui va repérer à un moment donné la grande sphère. Mais il y aura quand même des drones qui vont venir m'aider. Il y a aussi une étoile que je peux mettre. Ah, mais les grandes sœurs, est-ce que ce serait elles que j'aurais pas terminé alors? Un bonus de recharge, grande sœur. Votre petite sœur restaure votre santé après avoir récolté de la dent. Oh, bah, il y en a plus. C'est fini. Ah non, c'est un gros zombie qui attaque. Mais j'ai fait tout. Il y aurait des grandes sœurs que j'aurais pas pris en photo. Genre. Oh. Comment qu'il y a encore des grandes sœurs plus tard dans le jeu, j'espère. Maman a détruit le docteur Alexandre. Elle a essayé de le transformer. Oh non, j'ai les doutes de l'autre daddy aussi. Et de le soutenir coûte que coûte. Et elle a fini par en faire un être innommable. La philosophie de maman est aussi corrompue que celle de Ryan. Selon elle, il vaut mieux que tout le monde soit uni dans une même détresse plutôt que d'essayer de nous améliorer chacun de notre côté. Allez, quoi, il a balancé tout elle.
sérieux, le jeu que je balance. Je finis une grande sœur et j'ai un série alpha et le daddy qui arrête pas de se balader là, qui vient de m'agresser. Purée. Enfer ce jeu. Comme ça veut. Ça va pas des trucs le soir. Ah, cool. D'ici. Alors. Et on va pouvoir aller en bas chercher la fleur en question qui se cache ici, dans ces cellules. Fermer les portes. Pas les lire. Je vais prendre rendez-vous avec le docteur Lalande.
Il est temps de nourrir la bestiole, mon gars. Retourne au vivier d'Alexandre et place les plantes à l'intérieur. Sérieusement, j'ai quand même pas l'auto-piraté ce coffre. Enfin, c'est la grande sœur que j'ai pas réussi dans les recherches. Ouais, c'est bon. Je l'auto-pirate, Minerve. Est-ce qu'il m'embête ? Cinq, un truc du genre de grande sœur. Ouais, il y en avait 5. Mais c'est vrai que dans le feu de l'action, j'ai pas forcément à penser à les prendre en photo là. Pourrait être stocké dans la caboche du sac de marmousette.
mais non, mais... Je laisse tellement de trucs ici. Non, alors Vitini, tu as raté un combat d'enfer. Et j'ai battu la grande sœur là-bas. À peine vaincu. Que t'as le un série alpha qui s'est ramené avec un ou deux chromosomes. Et le daddy qui arrêtait pas de faire des allers-retours était dans la région, s'est pris un coup. Non mais y a pas de soucis, s'est pris un coup, donc j'ai dû le combattre aussi. Donc le série alpha, le gros daddy qui se balade et qui lui le sac à PV, qui fait extrêmement de mal. En plus les chromosomes. Juste après avoir fini d'avoir combattu une grande sœur, ça fait pas plaisir. Ça fait pas du tout plaisir. Chose à bord. Et comment je fais ça maintenant? Mais si, je dois pirater, je suis débile. Je suis débile, après je le comprends, donc ça va. Regarde. Il a disparu là, il était par ici, il me semble, non? Non, bon, il y a le série alpha. Il y a un deuxième série alpha que je viens de recombattre. La grande sœur. Ouais, le daddy, il a disparu, mais il était là. Et la recherche que j'ai ratée, c'est la grande sœur. C'est la grande sœur, celle qu'il faut aussi prendre en vidéo. Et je crois que j'ai pas massé assez de points en tout cas pour terminer sa recherche. Donc je crois que je l'ai foiré, hein, le trophée. À moins qu'il y en ait encore qui reviennent après. Mais normalement non, vu qu'on a terminé toutes les petites sœurs. Hein. J'ai bien eu le trophée, comme quoi je me suis occupé de toutes les petites sœurs, donc techniquement on n'est plus censé voir de grandes sœurs. Mais arrêtez là! Pénible les gens. Dans la pièce. Et pas deux secondes tranquille, hein. Ça fait quoi le cinquième daddy là que je combats en 5 mètres? Ça m'énerve. J'adore le design des grandes sœurs, oui. Ah mais vas-y, maintenant tu te fais un chromosome ici. Ça gonfle. Ça gonfle, tranquille, nulle part. Laissez-moi. Je sais pas quoi, faut arrêter de pas abandonner. Les bords, faut arrêter de respawn toutes les 3 secondes. Hein. S'il vous plaît. C'est excessivement énervant. Nous avons soumis notre petite sœur la plus âgée à un nouveau conditionnement physique et mental. Et l'avons équipée d'une armure de protecteur modifiée. Je fais que tourner autour de cette pièce depuis tout à l'heure. Les plus jeunes l'ont surnommée la grande sœur. Bien sûr, voilà. Ceci n'est qu'une solution provisoire. Entre la dangerosité des chromosomes et le vieillissement des petites sœurs, nous n'aurons bientôt plus de fillettes viables. Et ensuite, il faudra aller chercher du côté de la surface. Voilà d'où viennent les grandes sœurs. On va voir si ça fait des choses intéressantes. Et si, comme je le pense, malheureusement pour moi, je n'aurai plus de grande sœur.
Mais j'ai remarqué qu'il y avait, enfin j'ai trouvé que ici, qu'il y avait un fortifiant qui pouvait améliorer mes points de photo. On va pas l'avoir vu avant. Mais non, on peut pas circuler tranquillement. Hein. Ça fait combien de minutes là que je suis en train de tourner entre ces cellules? Ça sert à rien de râler. Mon jeu, il a dit ouais. On va quand même devoir les affronter. J'ai racheté de lentilles. Non, des munitions perforantes. J'ai bien recherché tout cet argent que j'ai laissé derrière là. Ça serait fort intéressant un jour de récupérer. Donc là je viens de dépenser. Bon, personne s'il vous plaît dans la région, par l'autre qui se balade. Regarde-moi toutes ces caisses, sérieux. T'as vu toutes les caisses qu'il y a? Abusé. Trop de caisses. Chercher dans le coffre-fort et puis on se barre. Voilà, par plein de munitions maintenant, il y a en principe plus d'argent. Et donc tu vas pouvoir voir Gilbert Alexandre que tu n'as pas encore vu. Magnifique, tu verras. Ah. Il est d'un charme. Tu m'en diras des nouvelles, j'aimerais bien avoir ton avis. Non, je suis pas là, je suis pas là, je te dis. Tu m'as oublié, j'espère, madame. Loin des yeux, loin du cœur. Ah oui, c'est vrai qu'elles m'ont offert un petit, elles m'ont amené un petit cadeau. Des sauces, de la dent, et j'ai pas bien fait quoi, attention à quoi, mais merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ça, on s'en fout. Les deux, là, on s'en fout. À part peut-être télékinésie 2 qui peut être intéressant. Mais encore. Non, ça serait des trucs ici en 2. Pirate génétique. Quand on pirate, on gagne quelques points de santé d'Ev. Ah, observateur 2, voilà, c'est celui-là. Il aurait pu me permettre de peut-être réussir mes recherches. Mais j'ai pas vu le 1. Et le 2, je viens de le découvrir. Evicas 2, oui. Ouais, on va remplir. C'est le Evicas 1. Le long métrage, j'aurais pu faire des films plus longs, du coup, plus de points aussi. Mais lui, je l'avais vu, mais c'est vrai que je l'ai pas forcément acheté. Ah, le piratage se termine instantanément si vous arrêtez l'aiguille sur une zone bleue. Oh, cool! Je l'ai, non? Ah, même pas. Enfin,
tellement de fortifiants intéressants et au final pas grand chose. Bienheureux parents, mais ouais, j'ai plus besoin que la petite sœur se dépêche. Il faudra trouver une génothèque. Il faut trouver une génothèque. On a une à côté. Et du coup, c'est vrai que la petite sœur qui se dépêche aussi, j'en ai plus besoin. Hein. Voilà, pas exigeant là, j'en ai plus besoin. Hein. J'ai fini. On va. L'alcool, non, réduit. Rien, ah, fontaine de jouvence peut-être, ou le cam, ou le la visibilité. Ah, vas-y, la fontaine. J'aurais voulu un Medipraxis 2, un armure corporelle 2. Ce genre de truc, quoi. Mais non. Ou alors, ouais, c'est vrai que c'est lequel. C'est, ouais, c'est. Il y a l'expert de l'Ève et je dois avoir l'expert de la vie aussi, un truc du genre, qui me permet d'avoir la trousse de soins en plus. Ça serait cool. Et voilà, donc voilà. Voilà Gilbert. Gilbert est dedans, il est, c'est un truc que j'ai pas très bien vu, mais c'est à l'intérieur. Le nouvel habitacle de Gilbert, c'est sympathique, une espèce de mixeur géant, ou presque. Oui, c'est un petit peu d'ironie, il y avait un petit peu d'ironie, bien sûr. Un bout de sarcasme, oui. C'est vrai que c'est toujours un peu chiant. C'est une image de tatou. Oui, bah oui, avec l'armure qu'il a, évidemment, c'est pas mal trouvé. Allez. Oh wow, direct là. Mine de proximité, non moyen. Un peu abusé là. Arrêtez là les monsieur. C'est sûr qu'il n'y a aucune photo, il n'y a vraiment aucune photo dans le jeu. Il n'y a plus aucune photo. Soigner au poste de soins, à la place d'utiliser une trousse. Comment tu veux rater les... ceux-là, c'est pas possible. Ça me paraît que vers la fin, je peux clairement pas les rater. C'est chiant qu'ils aient fait des recherches pour les grandes sœurs. Ouais, ils me remercient toujours. Mais malheureusement, je suis jamais content quand ils me remercient. Et tu as ferré la bête.
maintenant, utilise la console pour prélever un échantillon de son ADN. Une nouvelle clé génétique devrait être automatiquement créée. Ouais. Est-ce qu'on peut le revoir? Enfin, il est... C'est le grand machin, là? Et ça, c'est... Ouais, moi je m'attendais à un espèce de genre de... On va dire poisson, ou je sais pas trop quoi, de gloubi-boulba... La clé est prête! Prends la vite! Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros. Je m'attendais à ce que ça puisse nager, moi. Tu as la clé de la planque où l'homme détient l'or. Bien joué. Y'a plus qu'à filer l'utiliser à l'oxy-service. Ouais, c'est violent, là. C'est terminé. La commande de destruction des échantillons située en face de vous sur la console. Enverra dans le vivier une décharge électrique suffisamment puissante pour me tuer. Ne prêtez pas attention à tout ce que je peux. Sinon, on va faire un peu électriquement. Que j'ai été mort depuis longtemps. Alors je quitte ce monde. Mes pensées vont à Eleanor et tout. Ouais, ouais, je balle le tronc. Mais comment ils font là, comme pour les bateaux, comment ils font pour rentrer Jabalot dans la petite bouteille? Peut-être qu'après ma mort, vous pourrez la sauver. Maintenant, par pitié, mettez fin à mes souffrances. Ah, ça n'assume pas d'être faible, hein, c'est ma faute. Vous êtes, ouais, c'est de ma faute, mais c'est lui qui s'aide, mais ouais. Comment tu vas partir loin, là? Mais, non, mais t'as vu, là, t'es enfermé. Je suis sûr que si on retire, à mon avis, c'est pas de l'eau, mais la matière liquide, là, tu meurs sans ça. Mais de toute façon, je dois avoir un grand cœur pour mon trophée, justement. Pas déconner. Donc, je dois sortir d'ici en le laissant en vie. Et parce que j'épargne tout le monde. On a épargné grâce à Loé, Grace Loé, on a épargné Stan Népoule. Bah, c'est Gilbert Alexandre le dernier à épargner. On le dessèche et on le... Ah, pas con. Bonne idée. C'est dégueulasse, Carver. Tout frippé, là, machin. L'oxystation est là. Mais ne te fie pas à la façade. L'entrée est bien ici. Utilise la clé. Ah non, le rocher qui... Langue de lampe découverte, ok. Et je le récolte trophée pour avoir sauvé tout le monde. J'ai sauvé tout le monde, hein. La maladie d'Eleanor pourrait bien être une véritable bénédiction. Les premiers tests indiquent que son statut de petite sœur n'a causé aucune lésion génétique. Il semblerait bien qu'elle soit notre nouveau vecteur. Il ne s'agira pas d'une forme de scission de sa personnalité. Tout le génie de Rapture se retrouvera dans son nouvel ADN, capable de prendre les formes de son choix comme bon lui semblera. L'enfant de l'utopie abolira le hasard du dé de la génétique. Quand il le faudra, elle sera poète. Ou danseuse. Ou ingénieur. Elle sera l'image parfaite de la fille du peuple. Ça pourrait être Sinclair. Voilà, c'est là maintenant, grand cœur. J'ai sauvé tout le monde et je me suis occupé de toutes les petites sœurs. Enfin, je les ai toutes sauvées.
Perséphone, nouvelle zone, avant-dernière. Merci Vitini. Pas trop la longueur de la zone. Alors, donc il faut la tuer pour le soulager. Attends. Il faut le tuer pour le soulager, parce que c'est ça, avoir un grand cœur, prendre des décisions difficiles. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu. Trouvez les normes, mon gaillard. Et vite. Sa mère ira durer l'agonie pour vous séparer. Et on me demande de ne pas les tuer. Mais il n'y a que Grace Helloway qui nous a donné des cadeaux. Enfin, elle nous avait donné des cadeaux hein, quand on l'avait, après l'avoir sauvé dans la zone suivante. Stanley Poole, au final, il nous a rien donné. Hein. Et j'ai pas l'impression que Gilbert... je sais pas si Gilbert nous donnera que dalle non plus. Hein. Ah non, ça me saoule. On les tue, la prochaine run. Hein. Quoi, Grace nous avait aidé, donc... Elle pourrait survivre, elle, encore. Patrick. Ça m'a l'air bien lumineux en bas, non? T'es pas censé, plus tu descends dans la ville, plus... Enfin, dans les profondeurs, plus c'est censé être noir, là. En Moretto Menti. Moi qui ai des projecteurs... Je suis maintenant dans une cage. Je comprends pas ce qui se passe. Qui est évidemment des projecteurs là sur les sous les buildings, hein, bien sûr. Je sais fou, mais... oui, on aurait pu à l'euthanasier le petit Gilbert. Dis-moi, Delta, sais-tu seulement pourquoi tu es venu jusqu'ici? As-tu la moindre idée de ce que ma fille t'a donné? Je te regarde. Et j'envie ton ignorance. Elle préserve ta foi. Des fortifiants? Ah, j'ai dû en louper un, à mon avis aussi. Zoom pour fusillement, on l'a jamais utilisé. Déflecteur, ça fait quoi? On empêche que vous soyez blessé par ses propres explosifs, oui, bien sûr. Toujours important de ne pas être blessé par soi-même. Ça serait dommage que mon pire ennemi, ça soit moi. Alors, encore. Je sais pas quoi. Danouze. Le truc Danouze. C'est la maison de papa, de Dieu sûr. Est-ce que j'ai des trucs à acheter? On va peut-être en racheter. Et mini toile, non? Pas chiant le piratage, s'il vous plaît. Je fais n'importe quoi dès le début. Bien, je vais me faire déchiqueter par les hélices. Ouais, super. Un conteneur où on n'achètera pas, tout simplement. On
mais même faire une option hein, quand j'achète. Quand je pirate, oui, on est d'accord. Allez, The Wet, peut-être, non, The Wob. Non, je sais pas s'il est marqué. On peut retirer le panneau là, on peut le remonter. On peut voir s'il est marqué. C'est pénible. On ne peut pas avoir tous les mots. The White, peut-être, on est peut-être à la Maison Blanche, des raptures. D'être un laboratoire. Hein. Bon, pourquoi est-on ici alors, Madame Lambe, Docteur Lambe? C'est vrai qu'on ne sait pas. Hein. Est-ce que Léonore et Cindy, est-ce que je suis le papa de Cindy? Est-ce que cette théorie bidon que j'ai inventée en cours de route s'avérera être vraie? Hein, avec elle? Oui, hein, avec elle, toujours. D'autres fois. Pause. C'est elle. Plus un boss, et c'est Lambe. Pas le temps de réfléchir. Fais ce que tu dois faire. Ouvre la cage. Et viens avec nous. Jamais. On sait jamais. Ah, ça pue le combat ici. Ça pue le combo. Moi que je vous le dis. Utilise la commande pour faire céder le saut de quarantaine du vivier qui la retient prisonnière. Non mais j'avais compris, hein. Je regarde la pièce avant. Non, on ne pirate pas avant le combat de boss, sinon c'est pas drôle. Quel souvenir aura-t-elle de nous après cela? J'ai placé mes pièces sur l'échiquier comme je l'avais prévu. Et toi aussi. She's alive. Espérait-elle un tel résultat? Sa mère et son père qui ne la quittent pas des yeux. Mais nous n'en sommes pas moins aveugles. Adieu, sujet Delta. Et sois rassuré. Tu es bien le seul à avoir échappé à tes gènes. Oh, encore une grande sœur, merci le jeu. Oh, mais non, c'est elle que je voulais. Sauf que non, du coup, je voulais une mission en performance. Arrêtez d'esquiver mes attaques. Un bonus de recherche de grande sœur, oui. Alors, du coup, t'as la deuxième, on peut photographier. Deux grandes sœurs là et elles sont un peu chiantes. Bonus de recherche de la grande sœur. Un autre truc. Ça va me faire croire qu'il y a encore un niveau. Avec la foreuse vampirique, vous prenez soin de votre corps et de votre esprit. Drainez l'énergie de vos ennemis avec la foreuse vampirique. Je vous vois mal en quoi c'est rassurant d'être le seul, mais ok, ben je sais pas, mais on va dire ok. Hein. Et j'ai pas le trophée, hein. Le trophée ne tombe pas. Ça a l'air pas mal de la foreuse vampirique, mais... Thank you.
Ouais, faut arriver à la voir quand même. Mais pas le leur, hein. Je ne monte pas où l'éclaireur. Mais et un PV, ça se tue. Ça meurt pas. Hein. Ça va être chelou, relou en fait. Vite, en la chambre de la quarantaine est ouverte. Entre. Oh, mais ça va être la mort en difficile. Oh. Ah, j'aurais piraté avant le poste de soins et j'irais. Ouais, mince. Pas prêt. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Mais j'attends que je pirate d'abord, monsieur. Il y a une suite à la fin du jeu. Ouais. C'est pas fini ton jeu. Hein. Oh, ouais. On sait très bien que ça va être toi, que Sinclair et Lamp, c'est la même personne. J'en sais rien. Pourquoi il est si pressé que je retrouve la gamine? Qu'est-ce qu'il veut, lui, dans l'affaire? C'est vrai qu'on le sait pas. Hein. Au moins, Atlas, on savait qu'il voulait retrouver sa femme et son fils. Mais lui, il va sortir d'ici, à mon avis, tout simplement. Mais bon, il a pas répété. Tu dois y aller, pas de soucis. Merci, Vitini, d'être passé. C'est l'heure de manger. Amuse-toi bien, peut-être à tout à l'heure, si tu n'as pas fini avant. Ok. Moi, mon avis, peut-être moyen de terminer aujourd'hui, je pense. J'aimerais savoir. Ah, faut voir. Eh, ça a explosé ce machin du coup. Ouais, attends, je recharge pour voir. Dégueulasse, pourquoi c'est explosé? J'ai tiré dessus? C'est pas. Mais à tout à l'heure, si on se revoit, si jamais. Ah ouais, non, je crois pas qu'on finisse aujourd'hui là, quand je vois le nombre de journaux audio de la dernière zone. Et c'est énorme. C'est plutôt celle-ci, la petite zone, et la zone suivante qui sera la plus grande. Non, mais qu'est-ce que t'attends? Pute. Ah, c'est toi qui explose. Dommage. Je t'entends mal. Je vois plus rien. Il y a quelque chose dans cette pièce qui me bloque. Il te bloque, et alors c'est pas grave, hein, il y a quelque chose que je bloquais tout court. 10 ans, et elle rêve encore de toi. 50 secondes restantes. Sais-tu pourquoi Eleanor t'a mené jusqu'ici? Elle voulait un père. Elle a donc trouvé un moyen de faire renaître ton corps et ton esprit. Sur toi tout ce temps, exaltant chacun de tes actes. Cette fille allongée sur ce lit, ce n'est plus mon enfant, ni même le fruit d'une vie de travail, ce n'est qu'un monstre, enfanté par toi seul. Et c'est ce qu'elle voulait. 20 secondes restantes. Cependant, il est un détail concernant votre lien qu'elle a omis de prendre en compte. Ton corps a été conçu pour sombrer dans le coma sitôt que son cœur cessera de battre. Eleanor, pardonne-moi. Oh merde! Naturel qu'il soit. S'il devait mourir suite à un traumatisme, il renaîtrait ailleurs. Qu'il soit en permanence attaché.
Personne n'entre dans cette salle avant qu'il ait succombé. Papa, c'est moi, Eleanor. Je suis désolée, mais maman a arrêté mon cœur assez longtemps pour rompre notre lien. Rester à côté de moi ne t'empêchera pas de mourir. Ou pire. Mais je peux encore t'aider. Cette petite sœur t'apporte quelque chose qui va te permettre de prendre son contrôle. Vous avez pris le contrôle d'une petite sœur, vous pouvez désormais utiliser les manches à air et récolter de la dent des cadavres. D'accord. C'est vrai que c'est bizarre, papa. Mais tu peux désormais voir par les yeux de cette petite sœur et lui dire où aller. C'est comme ça que j'ai fait pour te guider sans que maman ne le découvre. Bien. Commençons par te faire sortir d'ici. Et à cause des airs de... ce passage là. Il doit y avoir un levier quelque part. Utilisez-le pour déverrouiller toutes les cellules. Attention, Augustus Sinclair a été aperçu sur les lieux. Il va tout faire pour retrouver le sujet Delta. Sa capture prime sur toutes vos présentes activités. J'aimerais le faire moi-même, mais je n'ai plus la force. Pour te sauver la vie, je vais devoir changer. Je dois devenir forte, aussi forte que toi. Là où tu te trouves, tu devrais pouvoir trouver des pièces d'armure de grande sœur. Rapporte-les-moi, s'il te plaît. On va devenir une grande sœur, ok. Eleanor, bien sûr. Papa rencontre Docteur Gilbert. T'es en train de se faire pour bouffer par un serpent géant. Papa est si fort. Quoi, c'est ça de récolter de la dent? On a cassé le charme qu'il y avait, hein. Bon, ça va, c'est progressé. Toutes les bonnes filles récoltent. Rencontre de tante Gracie. Allô, oui. Regarde, papa. C'est une pièce d'armure. Trouve vite les autres et rapporte-moi tout ça.
on a l'impression qu'on est dans ce décor-là, puis on... quand la magie est rompue, on voit qu'on... Disons que je suis prisonnière de ce rêve délirant. Maman m'a drogué tout ce temps afin de perfectionner mon esprit avec de la dent. Pour elle, l'enfant idéal est un génie qui doit agir pour le bien de tous, sans se poser de questions. C'est de ça que tu m'as sauvé. Les jours, c'est le jour de papa. Ouais, Léonore, elle préfère son papa à sa maman. Et c'est que toi qui vois comme ça ou c'est toutes les petites sœurs? Oui, j'ai pas vu ce qu'il y avait sur la table. Enfin, c'était quoi le... l'objet dans le rêve? Ici, on rentre Stanley Pool. Ouais, on peut Stanley. Je suis en quarantaine. Mais maman ne sait pas à quel point je suis liée aux nouvelles petites sœurs. C'est bien plus qu'une simple empathie. Je peux les contrôler directement. Elles sont comme mes yeux et mes mains maintenant. Encore mieux. Nous avons trouvé le corps de papa et prélevé un échantillon génétique. Les filles ont caché ces échantillons à l'intérieur des poupées qu'on fabriquait à l'époque. D'ici peu, je devrais être en mesure de raccorder l'une de ces vitachambres chambres afin de rechercher sa signature génétique. Et là, j'ai hâte de voir la tête que fera maman. Les autres petites sœurs viennent en partie de moi. Plus je les vois grandir ici à Rapture, plus je le sens. Quand tu étais avec les petites, elles te faisaient confiance. Tu étais comme un père pour elles, grâce à moi. Oh, un ange. Même bizarre ce passage. Toujours en sécurité avec papa. Toujours reste proche de son papa. Caché dans les trous. Ah. Oui, une armure de lanceur, c'est fait. Ça doit être une sorte de tiare à mon avis, ou... vu qu'on a une robe et des gants, une espèce de tiare peut-être. Maman avait raison sur un point. Je t'ai surveillé, papa. J'ai observé de quelle façon tu traitais les autres. Aujourd'hui, je sais qui je suis. D'abord, donc j'ai été empathique envers les petites filles et les oncles et tantes. Je suis un être libre. Après tout ce que maman m'a fait subir, je suis vivante et suffisamment saine d'esprit pour être curieuse de voir un jour le soleil. Quand tu as sauvé mes nouvelles sœurs, j'ai senti chacune d'entre elles et j'ai repris espoir pour la première fois depuis des années. Sœur attrapée, non? Pas du tout. Pas. Alors, si ARN plus AN égale 2, combien font? Donc c'est ARN plus AN. Ah, la pauvre. Et moi, c'est moi, Tnek. Oh, petit requin. Des petites sœurs. Yannor. Il faut s'amuser. Et moi, je vais faire pareil pour toutes les autres. À commencer par celle-ci.
Nous avons réussi, papa. Je serai bientôt là. Ces combinaisons m'ont toujours fait penser à toi, papa. Je crois que pour moi, tu restes un chevalier en armure. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me battre pour toi. Plasmidal, j'ai mon dernier emplacement de emplacement de plasmide. Il te servira à m'appeler pour que je vienne t'assister au combat. Qui est là donc? Appeler Eleanor. Tous les plasmides. Et la retrouvaille, parce que j'ai retrouvé ma petite votre petite sœur d'origine, ouais. Eleanor. Alors, appelez Eleanor sous sa forme de grande sœur pour renverser la tendance dans les combats difficiles. Ok. Appelez la grande sœur pour qu'elle se batte à votre côté. Attention, les meilleures choses ont une fin. L'argent et deux trousses de soins. Bon, bah, au moins une. Constance soigne. Alors, acheter des munitions perforantes, je dirais. Ah mais ils sont pas finis, c'est peut-être lui qui va s'en finir aussi, les enragés. Arrête de partir. Oh merde, j'ai pas pensé à moi. Mais quelle horreur. Quelle dégueulasse. Pas dans le combat. Oh oh, je tire pas là. Je suis mort, y'a pas de soucis, 11h09. Ah, j'ai pas souffert des... Et l'automatique, y'a pas eu d'automatique, genre après la cinématique, le passage avec la petite sœur. C'est eux qui font mal. Sujet de l'État, je sais que tu m'entends. Tu as volé le résultat d'une vie de labeur. Et avec lui, mon unique fille. Rapture n'abrite que des monstres. Nous ne sommes pas les bienvenus à la surface. Ce soir, nous serons enterrés côte à côte, en famille. C'est les enragés que j'ai ratés alors, au final. Oh non ! Elle va couler le bâtiment dans la fosse ! Elle est profonde de plusieurs kilomètres ! On doit trouver Sinclair. Ouais, mais c'est qui Sinclair? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Partir. Je disais, c'est... Oh, encore! Et des cadeaux pourris, ça me saoule, ça me saoule. Bon, c'est ceux qui donnent à chaque fois un cadeau qui me sert plus à rien. Au début, c'était cool.
du coup, le fait d'être mort en plein visionnage, ça a annulé les photos, la vidéo que je faisais du monsieur, ou alors ça fait une vidéo pourrie. Non, pourrie. Qui a dit cadavre que j'ai jamais pris en photo, enfin en vidéo. Je sais pas si ça a fait gagner beaucoup de points ou pas. Ouais, peut-être dû. Oh, tout ce que j'espère maintenant, c'est recroiser des enragés. Hein. Intérieur de Persephone, la dernière zone du jeu. Regarde par le hublot, papa. C'est le bâtiscaf de Sinclair. C'est notre seule chance de nous enfuir. D'après ce que je sais de Sinclair, il ne l'aurait jamais abandonné comme ça. Oui, Delta. Qu'en est-il de Sinclair? L'homme qui voulait vendre le paradis. Où est-il à présent? Une idée, hein. Votre attention. Couvre-feu initialisé. Toutes les cellules et portes de cloison sont condamnées jusqu'à nouvel ordre. Ce bâtiment se tient au-dessus d'une fosse océanique, Delta. La famille a posé des explosifs sur ses fondations. Rends-toi avant qu'elle n'explose, ou nous retournerons à la poussière au plus profond des abysses. Maman a bouclé tout Perséphone, même la voie d'accès au bâtiscaf. On peut annuler le bouclage dans l'aile de détention si on fait vite. Dépêche-toi. Utilise le plasmide si tu as besoin de moi, papa. Je vais jeter un coup d'œil. Où est-ce que tu vas, mon chou? Aucun talent! Ceci est une urgence. Le sujet de Delta. Oh. Eleanor Lamb a trahi les siens. Combattez ensemble! Membres de la famille de Rapture, nous périrons ensemble! Oui, un enragé. Pas que tu meurs. Tant pis que moi, je meurs.
aller si au final j'aurais quand même dû mettre le truc de recherche. Augmenter les points. Voilà, je suis bien à l'amélioration. On peut toujours l'acheter en tout cas. À la place de quoi? Fin du jeu. Ah, ouais. Pas mal de se dépêcher. Enfin, se dépêcher. Oh, allez. Mauvais. Ça serait bien de finir aujourd'hui. Pas être bloqué, genre. après une heure. Ah, on peut le finir après une heure la prochaine fois. On a le choix. C'est le seul moyen de tout sauver. Tu m'as trahi, Sinclair. Je te ne le pardonnerai pas. On a sauvé tout le monde, mais... Ah. Caméra, caméra. Malheureusement, Sinclair lui va mourir. Allez là, mais donne-moi l'amélioration de recherche. Ouais.
Oh là là, excusez-moi. Je vais mourir encore une fois en direct. Cet endroit est la définition même du désespoir. Nous sommes enfermés là à des kilomètres du monde extérieur, suspendus au-dessus d'une fosse marine sans le moindre espoir de sortie. Qu'avons-nous fait pour mériter cela ? Ryan n'admet-il donc nulle divergence d'opinion en sa précieuse rapture ? J'espère de tout cœur que son Éden durera. L'enfant du peuple arrive. Les gars, vous voulez que je passe de la lutte avant que la vie soit envahie ? Oh, cool, les brutes, hein, les enragés, il y en a pas mal. Toujours pas l'amélioration, là. L'échec d'IA. Ça tue. Que tu m'entends. Je suis dans le bathyscaphe de Sinclair. Delta ne peut pas me rejoindre ici, mais toi, tu peux. Tu ne dois pas mourir avec lui. Nous retrouverons la surface ensemble. Si tu viens me rejoindre et que tu acceptes ta destinée. Ne l'oublie jamais, Eleanor. Maman t'aime. Oh oui, maman me met à l'épreuve. Heureusement, je suis désormais la plus grande spécialiste au monde de la désobéissance. J'ai fait mon choix, papa. Et s'il le faut, je mourrai pour lui. Un petit peu une seringue et d'Eve. Un bim, une mort. Bah oui, j'ai combattu une grande sœur. Il y a encore. C'est une grande sœur que j'ai combattu. Non, non, c'était pas de la grande sœur, c'est des enragés. Les gros baraqués. Les chrosomes. Et j'ai. Il y en avait deux, plus deux, trois autres chrosomes. Et j'ai complètement pas fait attention à ma vie. Il s'est passé des choses intéressantes pendant ton absence. Dans l'histoire, c'est un peu dommage que tu aies raté ça, et j'ai surtout remarqué qu'en fait c'est le chromosome enragé justement dont je n'ai pas fait toutes les recherches. Ça fait 3-4, là je viens d'en rencontrer 3-4 auxquels j'ai pris des vidéos, et j'ai toujours pas apparemment le niveau max. Non, lui c'est juste un prisonnier. Mais bon, on va le laisser tranquille. Donc c'est l'enragé qui me manque à mon avis pour mon trophée. Et donc ouais, quand tu vas entendre un truc, enfin tu vas entendre, ça va peut-être te paraître bizarre, mais tout est normal. Petit, je suis désolé. Je t'ai enfermé ici. L'âme me fait danser comme une marionnette. Je ne peux pas m'arrêter. Il va falloir que tu viennes ici pour m'achever. J'aurais préféré qu'il y ait une autre solution. Caméra. Je préfère mourir comme un homme. Oh, allez, la caméra. Vous êtes chelou, là. Non, il a raison, papa.
Maman pense que tu mourras ici, ou que je t'abandonnerai avant l'explosion de la bombe. On ne peut plus sauver Sinclair. On a besoin de sa clé. Trouve le code du Mirador, ou trouve un moyen de la tirer à l'extérieur. Bon ben voilà, je crois que la discussion, si tu n'as pas tout suivi, t'aiguille un peu. Sinclair a été capturé par Lambe. Et l'embrouille un peu les esprits, quand tu le verras, tu le reconnaîtras pas. Et j'ai retrouvé Eleanor. On a retrouvé Eleanor, mais je ne te montre pas encore tout sur Eleanor. Et j'ai aussi récupéré le dernier plasmide. Pendant que il s'est passé des choses pendant que tu n'étais pas là. Tu as raté le meilleur moment, en fait, je pense. Seuls les vrais verront. Ou alors faudra regarder la replay. Le tunnel de maintenance. Oui. Je me souviens. Ça devrait te permettre de m'approcher. Tu vas pouvoir voir Théodore. Essaie, petit. Essaie. Vite. Ouais, deux secondes. Petit. Eh oui. J'ai construit cet endroit. C'est vrai que je t'ai loué comme cobaye à Fontaine Futuristics pour leur test de place mythique. Et aujourd'hui, je suis en train de le payer. J'aurais aimé avoir le temps de m'excuser. Prends le bodyscaf, il est à toi. Mais je t'en prie, ne me laisse pas comme ça. Non, mais j'ai juste prendre le pansement, voilà. J'ai entrevu le directeur en train de taper le code du Mirador. Ah. Les deux derniers chiffres étaient le 7 et le 3. On n'a pas le début. Pour le reste, aucune idée. Je trouverai peut-être en attendant. Je me demande combien de temps ça va m'apprendre. C'est toi là ? C'est quoi le code ? Dis-moi le code. Dis-moi le code. Bien. C'est bien, bien petit. Tu as la moitié du code. Ah. Maintenant, trouve l'autre moitié. Ouais. Allez. J'aurais dû vraiment prendre le fortifiant qui arrête les piratages lors de la zone bleue, lorsque tu es dans la zone bleue. Oui, tout est normal, mais il s'est passé des choses un petit peu wow. Ah bon, c'est des trucs dont on s'y attend pas. Ouh, faut être là quand on est en difficile. Ah, super. La bonne ambiance. Je suis à fond au niveau des dollars. Et est-ce qu'il y aurait-il encore des enragés, s'il vous plaît, par hasard? Oh, pauvre cadavre. Le libre arbitre Delta, voilà le cadeau d'Eleanor, et chacune de tes décisions l'a transformée à ta propre image. Sinclair n'a pas eu cette chance. Et même par son absence, il sert notre monde sans faillir. C'est maintenant un homme meilleur. Ouais, on fait du dégât. Ouais, les actions qu'on a fait, donc le fait de sauver les petites sœurs et de sauver les trois autres personnages ont eu un impact sur Eleanor. Ah. Éponge élémentaire, ne laissez pas quelques brûlures vous gâcher la journée. Avec le fortifiant éponge élémentaire, vous obtiendrez un bonus chaque fois que vos adversaires auront recours aux éléments. Mais quel bonus. Ah, une petite quantité d'Eve. Mais ouais, mais il n'y a pas assez d'emplacement de fortifiant à 30. Il m'en faudrait 50. Voire plus, même. Ah, mais j'aimerais bien vraiment des enragés. Hein. Je sais que c'est idiot de dire ça là, mais en tout cas dans cette difficulté, des enragés là me scieraient bien. Ah mais c'est ici le... Ah oui.
Ça fait trop longtemps que le directeur ignore mes avertissements. Je vais prendre les choses en main, moi. J'ai récupéré un outil de piratage pour neutraliser ses tourelles et asservir ses robots. J'ai aussi réussi à trouver son code. 2, 6... Le mec est mort. Ça y est, tu as le code complet, petit. Tu as réussi. Maintenant, entre et achève-moi, je t'en supplie. Vas-y, je t'ai pensé 5$. La dernière fois, c'était rentable. C'est juste... Le plaisir de tirer les toilettes. Quand tu seras à l'intérieur, petit, surtout garde la tête froide. Moi, je ne pourrais pas m'empêcher d'essayer de te tuer, mais ce qui m'apaise, vois-tu, c'est de savoir qu'après ça, tu régleras son compte à l'Andec et que la petite Eleanor verra enfin le soleil. Tu es dans le tunnel. C'est bien. Ça devrait te donner une longueur d'avance sur moi. J'espère. Bon, oh, j'ai bien fait de payer 5$ au final. Ça, là, je veux ça. Moi, je peux sortir d'ici, là. Ah, ou alors, ça me permet de pirater ce truc. Bof. Ça pourrait me permettre... Ça me permet de faire que dalle. Peut-être parce que j'ai déjà deux drones. Ah, ou par là. Je sais pas, en tout cas j'ai récupéré mes 5$. Je sais pas trop ce qui se passe. Il a même pas acheté, il a loué location de cobaye. Ah mais ouais, location, pourquoi tu achèterais des cobayes, tu... Un cobaye, en plus de ça, il est humain, tu... on achète plus des gens. On n'est plus... C'est quoi là, tu crois qu'il y a encore l'esclavagisme? Non, on loue, on fait des contrats, genre tu deviens cobaye et nous on te rémunère, on te logis, on te nourrit, on te blanchit, ce genre de choses. Mais ça lui demande beaucoup d'efforts de se concentrer, de nous parler. Et c'est ce qu'il nous a dit. Oups, j'aurais peut-être pas dû. Sinclair se déplace. Trouve-le. Ouais, bah si, il faut. Il nous faut cette clé. Je sais pas s'il y a une photo à faire. Non, y'a pas l'air. Non, non, pas les antipersonnels. Ah, ça me tue. Adieu, petit. Adieu. Ah, ça brûle. Merci. De rien. Je l'ai tué, il me remercie. Ça l'air même, papa. Bah ouais. Je suis désolé. Je ne sais pas si vous étiez en charge. Quand tu seras prêt, prends la clé. Je le connaissais pas avant le début, avant de le connaître, donc ça va, quoi. C'est ce qu'on va se dire. Y a pas de mal. On le connaissait pas d'avant. Chargeur amélioré pour les grenades. Augmente également votre capacité de port, ouais, pour chaque type d'explosif. Ah, pour chaque type d'explosif, ça peut être pas mal. Oui, on l'a vu, c'était peut-être... Papa, je crois qu'en annulant le bouclage, on va libérer tous les prisonniers. Alors assure-toi d'être prêt avant d'utiliser la clé sur l'interrupteur de sécurité. Ça veut dire quoi? Je tue tous les prisonniers d'abord, là? Alors qu'ils sont encore en cellule, on les abat froidement. Oh, c'est dégueulasse, là. On va pas les abattre froidement, les pauvres prisonniers, là. Genre en zonzon, si en plus de ça, on les descend, on les exécute. Ça fait pas. Ah, puis c'est lui qui l'a demandé, tu as respecté sa dernière volonté, oui. Contrairement à Gilbert, enfin à Gilbert Serein. Après, c'est dommage, on faisait une run où on tuait pas les gens. Circuit de commande activé. Pas trop les gens. Fermeture temporaire du poste de sécurité.
Sinclair est mort en héros pour la famille de Rapture Delta. Était-il ton ami? Il y en a deux qui m'attendent, là. Peux-tu au moins faire la différence? Quant à toi, Eleanor, tu as fait passer le sujet Delta avant ta mère, avant ton peuple, et avant le devoir de ton sang. Qu'il en soit ainsi, tu crois que ce Batiscaf emmènera Delta en sécurité? Tu es comme un enfant gâté avec un nouveau jouet. Je n'ai pas d'autre choix que de te le confisquer. Fin du couvre-feu. Les portes cloisons ont été déverrouillées. Ah bonjour, bonjour, oui, si vous voulez, on peut parler du Seigneur. Il faut qu'on y retourne tout de suite. Je m'attendais pas. Non mais moi je voulais en fait des enragés, pas des... Même si je sais que je dois plus, je refais à chaque fois, on sait jamais. C'est pas vous que je voulais, moi. C'est des clones enragés, là. Évidemment, les prisonniers, ce sont des séries alpha, quoi. Ce qui était logique. On s'y attendait tous. Bienvenue ici, il me semble. C'est dit, je sais plus. Bienvenue ici. Il n'y aura plus d'orage. Je vais être dégoûté de ne pas avoir mis les fortifiants. Il aurait pu peut-être me permettre de finalement avoir le dernier niveau. Je ne sais pas si Gilbert rentre encore dans la rentre encore. C'est rigolo. Je pense que c'est une grosse larme dans la catégorie des gens. Ouais. Ouais, mais des NPC alors? Et rentrer dans la catégorie des gens que je vais pas tuer? Non, personne dans les douches? Dommage. Ici les douches. Ah mais non, mais pas vous, hein, j'ai dit... Vous n'écoutez pas ce que je demande. Oh, des séries alpha sur la fin. Ça va être chiant. Ah ouais, ouais, ici je suis en train de faire marche arrière. Effectivement. Chaque instant qui passe m'éloigne un peu plus d'Eleanor, Delta. Cette obsession pour son père ne tardera pas à l'achever. Par ta faute, je n'ai plus aucun désir. Avant que tu ne meures, je vais te prendre tout ce que tu as de plus cher. Sinclair n'est qu'un cadavre de plus dans ton sillage. Si elle est une obsession pour moi, à ton avis, c'est pas de ta faute aussi, là? Si t'avais été plus sympa avec elle, elle m'aimerait pas autant, hein. Je pense. Non, pas vous. Oh, m'y repérer, c'est bon. Aïe, oui, aïe, 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 oui. Vas-y, les munitions perforantes, bah, je les veux. Hein. C'est le truc qui m'intéressait.
rapidité de ce jeu de grenade. Ouais. Boum, boum, boum. Et mais ce qui est bien, je trouve, c'est vraiment que dans ce 2, le changement de munitions, ça se fait rapidement. Dans le premier, c'était lent. Perdez des secondes à changer de munitions. Alors qu'ici, ça va, c'est cool. Utilise le plasmide. Je peux t'aider. Il a Splurf. Il a dû me frapper. Du coup, c'est vrai que j'ai maintenant l'armure. Enfin, la décharge élémentale. Ouais, mais je veux bien l'utiliser, mais il faudra quand même du combat. Hein. Là, c'est pas avec un chromosome comme ça que je vais l'utiliser. Il faut que déconner. Hein. C'est du gaspillage, ça, madame. Vas-y. Je sais que je vais le regretter, mais je veux de l'enrager là. C'est ce que je craignais. Elle avait sauté les compresseurs du ballast. On n'arrivera jamais à remonter. C'est aussi. Attends, je réfléchis. Je vais essayer de faire bouillir l'eau pour qu'elle s'évapore et que le bâtisseur remonte. Mais je ne pourrais pas produire autant de chaleur toute seule. Je crois qu'il est temps de libérer les dernières petites sœurs de ma maman. Partons pour l'aile pédiatrique. Vite! Vous avez un objectif en plusieurs étapes. Appuyez sur pavé tactile et ouvrez l'objectif, l'onglet objectif pour voir toutes les étapes nécessaires et l'objectif actif. La flèche et la carte vous guident vers l'objectif actif. Quoi les donc? Trouvez l'aile pédiatrique de l'aile thérapeutique. Trouvez la section pédiatrique de l'aile médicale. Bah, c'est dans la thérapeutique. Eh, je suis un génie, moi. Ça se voit, alors. Faut trouver l'aile médicale, puis dedans, faut trouver l'aile thérapeutique, puis dedans, l'aile pédiatrique. Et qu'est-ce qu'on met les enfants chez les dans l'aile thérapeutique, tu m'expliques? On fait des thérapies par les enfants? Genre, on met un malade et un enfant ensemble? Et c'est ça que vous essayez de me dire? C'est dégueulasse, non? Et les enfants, ils craignent. Vous avez pas peur pour les enfants? Enfin, si tu comprends autre chose, dis-le moi, parce que moi, c'est ce que je comprends. Genre, comme la thérapie par les chevaux ou par les animaux, quoi. Ben là, c'est genre, tiens, un petit enfant, là, joue avec, ou je sais pas, c'est dégueulasse. Mais oui, allons sauver les petites filles, là. Ah, j'aime pas le ballon, là. Moi, je dis. Et on peut jouer au foot. On va jouer au foot avec le ballon et dériver. Ceci n'est pas un serment. Je ne vous éclairerai en rien. Vous connaissez déjà goal, allez. Chaque mot que je prononce. Passe. Mais goal, je te dis là. C'est n'importe quoi. On s'amuse. C'est débile. Heureusement qu'il y avait personne qui me regardait. Les bidons de maman font exploser les bombes. Il faut faire vite. C'est bon, il est mort. Ah non, caméra. Ah, vas-y, la caméra. Mais... Ça spawn trop rapidement, ça repère trop rapidement. Je suis en train de combattre, madame. J'écoute pas vraiment ce que tu racontes dans la vie. Hein. Voilà,
c'est pas toi qu'on veut là. Mais il est où là, celui qu'on veut là? Les baraquis là. On veut les baraquer. L'aile pédiatrique n'est plus très loin. On devra sûrement se battre pour rentrer. Ça va, ça va. Salut Shirada, comment vas-tu? Déjà, au moment de lui trouver un nom. On a l'air d'être sur la fin du jeu. Pourtant, nous travaillerons toujours à la recherche de l'utopie. Toujours poussé à vouloir plus. Ah, t'inquiète. Quel que soit ce que nous possédons déjà. Lise et baguette. C'est certainement l'une des plus grandes ironies de l'homme, que ce soit son désir de trouver l'utopie qui l'empêche. Bonjour maman. Comme tu l'as toujours dit, je ne dois pas promener dans la cité dans mon état. Mais si on je ne cherche sors pas, je veux m'en apprendre plus sur le monde. Pédiatrique dans l'aile thérapeutique. Alors, je crois bien que ceci est un service à thé en porcelaine, comme ceux qu'on trouvait sous Louis XV. Je me trompe? Merci. Quel enfant agréable. Et voilà ce qu'on appelle une fenêtre en vitrail, fabriquée à la main par ton troupeau obéissant. Ils se sont bien appliqués pour réussir ton portrait. Ah, ça va être moi, je vais pas de le détruire. Elle se rebelle, la petite, hein. Elle est pas contente, elle le montre. Comment vas-tu, Shirada? Ah, ben ça va bien, ça va bien. Et sur la fin, il me manque. J'aimerais bien, moi, trouver. Et on peut y aller ou on viendra ici après. Un des derniers chrosomes enragés. Comme pas lui, là, c'est pas lui que je veux, par exemple. Et si tu veux savoir. C'est pas lui non plus. Moi je veux des enragés, c'est des chromosomes sans armure, mais Bayan Baraki. Enfin, je le veux juste pour mes dernières recherches. Et après j'en veux plus. Hein. C'est juste pour la vidéo. Hein. S'il vous plaît, là, il me manque plus que lui, j'en suis quasi sûr. Je peux pas l'être à 100%. Faut-il vraiment que je vous rappelle que l'âme est votre problème maintenant, Sinclair? Elle ne fait plus partie des citoyens de Rapture. Et c'était la condition. Vous vouliez son expertise? Vous l'avez. Ryan Industries est votre client. Nous avons besoin de cobayes choisis dans vos rangs. Nous usons les protecteurs assez rapidement. Le docteur Lamb s'imagine un destin messianique. C'est impossible de pirater ce truc. Vendez-lui un sacrifice qui sauvera le reste de son troupeau. Mais on a trouvé la réserve de munitions. Hein. Bon, mais là. On n'aura pas le messie par les autres détenus. L'enragé. Elle commence à sentir mauvais pour son petit colcos sous-marin. Elle continue de fournir Ryan Industries en bétail pour son programme de protecteur en espérant permettre au reste de son troupeau de rester en vie. Rien de pire qu'une bête acculée. Va falloir demander à Weir de doubler les gardes à la prison. Oh. Mais non, mais arrête avec l'appareil photo là, on s'en fout. Mais il va tomber, non? C'est moi ou il était en train de glisser? Si tu veux se débarrasser des deux, envoie-moi un signal en utilisant le bouton sur ce hublot et je viendrai. Ouais, c'est ce bouton-là, là. Houdini.
c'est fini ça. Ouais. Lui que j'aimerais bien avoir, moi, je vous disais, ce sont des enragés. Ah, le voilà, l'enragé. Le voilà, il est là. C'est lui que je cherche depuis tout à l'heure. Allez là, mais le niveau il vient pas, je fais le DA. Encore. Ça se bagarre, mais ça se bagarre où? Il est en haut là. Mais ils sont partis là-haut les drones. Mais reviendez mes drones là, quand je vais là-haut là. Ah, ça se trouve c'est celui que je veux, moi. Ça c'est mon enragé là, ça se voit. Pas du tout, ça se voit pas, je suis moche, aveugle. Achetez des yeux, monsieur. Bon, ben on a au moins revu un enragé. Il en faut encore, malheureusement. C'est abusé. On a tellement pas eu d'enragé au cours du jeu, ou ça se passe comment? Alors que les hommes n'arrêtent pas de repop toutes les 3 secondes. Je trouve ça un peu honteusement honteux. Donc l'enragé, on l'a eu dès le début, quoi. Je vais réveiller les enfants. Elles sont plus puissantes qu'elles ne le pensent. Avec leur aide, je devrais pouvoir faire bouillir l'eau du ballast et nous permettre de quitter les lieux. Continue. Je les libère aussi vite que possible, comme tu m'as appris. Très bien. Ah, c'est facile si on peut se téléporter en... Moi aussi, si j'avais fait ça. Ah, petite musique qui se lance. Non, mais je crois que je suis plutôt pas mal. Quelle que soit la sincérité de ta démarche, Delta. Tu ne pourras pas les sauver. La surface n'est pas un paradis. C'est un enfer. Je préfère encore les voir se noyer que de les savoir là-haut. Tu crois que tu veux rapture si tu crois que c'est un paradis, là hein? Comme ça? Écoute, papa. Je sais que tu ne voulais pas avoir une fille. Mais l'amour, c'est un artifice. Si on veut lui donner du sens, l'amour a besoin de choix. Jamais je ne laisserai maman nous séparer une nouvelle fois. Oh, il est petit garçon. Place-moi, papa. Indique-moi la cible et je te donne à te battre. Ouais, non, c'est vrai, il faudra que je l'appelle. Ah, mais il faudrait surtout. Là, c'est quoi? Vas-y, on va utiliser le plasmide hein, pour dire bon. Quelqu'un qui veut lancer quelque chose, non? Papa. Ça va, t'as pas eu trop mal? J'ai vu quand t'as balancé quelque chose sur la tête. J'avais pas forcément besoin de l'appeler, hein, c'était pour le tester. Plasmide, elle arrête pas de me demander depuis tout à l'heure de appelle-moi, pas, et je l'appelais pas donc je l'ai fait.
Pour lui faire plaisir, bien sûr. Dans un 35, mais je ne demande rien. Ah mais quoi que je l'ai mis fin observatoire 2 au final. Voilà, pour les vampiriques, ça à mon avis. Allez, donnez-moi encore un ou deux. Voir plus si besoin. D'enragé. Un peu overréagi pour la caméra. Pour moi, c'est passé. Ceci n'est pas un sermon. Je ne vous éclairerai en rien. Vous connaissez déjà. Ah, mais non, mais c'est elle là qui se dépêche comme ça là. Ouais. Elle est pressée, elle est bien rapide, hein, la gamine. C'est pas ce que je t'ai appris, moi. Oh. De soin. Eleanor devait devenir une synthèse vivante de tous les génies de Rapture. La toute première utopienne, au service du monde entier, et sans aucun ego. Obliger un tel être à avoir une conscience revient à lui couper les ailes. Voilà ce que tu lui as fait subir, Delta. Comme elle l'espérait. J'espère que tu es fier de toi. Oui. Tout à fait. Delta était encore en forme aujourd'hui. Les gardes ont tenté de lui administrer une nouvelle dose de je ne sais quoi, il les a tous envoyés voler. Les quatre. Les pauvres n'ont plus un membre intact. Il y a du sang partout. Des types pourraient même ne jamais se réveiller. Ne jamais se réveiller. Quelle chance. Bon, ça, quelle chance. Courage, tu ne peux pas abandonner maintenant. Ah, ça fonctionne ou pas, là? Mais comment là, ça a l'air d'être fini là, non? Non, c'est pas considéré comme un enragé. Allez, on se réveille. On se réveille. Encore un oubli. Ils sont chiants avec les oubli. Parce qu'on cherche, nous. Il n'est pas question que je perde la pression. J'ai besoin de si vite. Madame, on s'était allié pour le combat, on était potes. Il m'a trahi. Quelle déception, ces gros hommes, on peut pas leur faire confiance. Oh oh ouch. Et genre. Ah mais c'est toi.
d'abord. Oh, bien. Pouvoir au peuple, pouvoir au peuple. Alors, des munitions supplémentaires seront insérées à chaque tir, déclenchant des explosions secondaires dans un large périmètre. Parfait pour nettoyer une pièce. Cool. Je crois qu'au fond, je me tromperai au sujet du docteur Lamb. Elle m'a expliqué que mon désir de commander me pourrissait de l'intérieur. On a trouvé tous ces incidents dans mon journal. Je poussais les détenus à me sauter dessus pour mieux les punir sévèrement ensuite. Mon Dieu. Mais je crois que je peux faire le bien ici maintenant. Avec la famille. En tout cas, on a une chance de survivre à la pagaille qui règne ici. Qui sait, on pourra peut-être reprendre la ville. Bon, ça, là, tu forçais les détenus à te sauter dessus. Et c'est comme on pense ou il y a quelque chose là? Oh, je crois qu'il y a trop d'informations, monsieur. Hein. On n'avait peut-être pas besoin de tout savoir. Bah, une petite part de mystère, ça fait pas toujours de mal, hein, vous savez. Le nœud nous balance tout. Vraiment toutes les infos. Hein. Ce serait le docteur là qui... Oh ouais, ouais, le camarade là... Comment? Ah, merci mon ami. Oui, un jour à toi, tu m'as manqué. Ah ouais, mais souvent tu fais aussi mal. Mais toujours pas de bonus. Oh, mais quel enfer. Mais ça abuse là. Tout le jeu, ils vont faire croire que je vais y arriver, hein, à ces recherches. On approche d'une autre aile pédiatrique. Il y a de fortes chances pour qu'elle soit gardée. Oui. Prépare-toi. J'ai déjà vu un série alpha. Et pas la réagie. Ouais. On va voir tout à l'heure s'il y a du alpha. Mais ouais, si près, mais. J'ai des doutes. Tu seras débarrassé d'eux. Envoie-moi un signal en utilisant le bouton d'appel. Et je viendrai. J'aurais dû trouver le fortifiant pour augmenter les scores plus tôt. J'ai vraiment pas vu. Parce que je veux...
route, Plasmid. C'est clair, on s'attendait à avoir de l'enragé. Vous comment allez-vous? Mais non. Même pas. Et ils en ont rien à carrer, c'est pas normal. Tu vas pas me faire croire que leur combinaison est anti-feu. Et du coup, pas d'enragé. Comme bien entendu, comme c'était prévisible. Et allez, on va y arriver, on va y croire, il y en a encore qui vont arriver. Allez. La dernière zone, c'est la fin. À moins qu'il y ait une autre zone qui ne nous dise pas, qu'on ne me dit pas, mais qui est genre pour le boss final. Leur 3 blesse ses assaillants et utilise leurs attaques pour restaurer votre santé. Intéressant. En sauvant les petites filles, on gagne de la dent là, en les remettant dans les bouches d'aération. Vu que c'est pas nous qui le faisons, on perd de la dent. Ah non, on en gagne plus. Mais ce virus se transmet à la vitesse de l'éclair chez ces innocents. La conscience de soi est une malédiction, Delta. Et c'est toi qui en es la cause. Ouais, bien sûr. C'est évident que c'est la faute que de un parent, hein, l'éducation de l'enfant. C'est pas évident. Que moi, ça fait des années que j'ai plus vu la gosse. Ça, c'est de ma faute, bien sûr. M'a engagé pour trouver un moyen d'atténuer la douleur. Ma première idée a été d'endiguer sa propagation virale. Les premiers résultats étaient prometteurs. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que certaines fillettes mâchaient leur langue à longueur de journée sans s'en rendre compte. Nous avons dû les isoler pour éviter que les autres petites filles ne paniquent inutilement. Ouais, tu me disais, c'est ce que je vais faire, hein. Je l'emporte sur toi, mécréant. Thank you.
mais il n'en repopera pas. Quand tu seras prêt à commencer, approche-toi de la vitre. Mais n'oublie pas, une fois l'opération lancée, on ne pourra plus faire machine arrière. Ah! Ouais, ça veut dire qu'il n'y aura vraiment pas de... de plus d'enragés. Enfin, si, il y aura des ennemis à combattre, tu vas me dire. Il y en a un, c'est pas grave. Je peux cramer aussi, hein, si vous voulez. Hein. Et tu serais prêt à arracher ma fille unique à son foyer et à sa famille, et à la livrer à un monde sans espoir. Je vois pas l'espoir. Non, je préfère encore que l'utopie meure avec elle. Et avec nous tous. Adieu, Eleanor. Ailleurs, je t'attendrai. Ils arrivent, papa. Je vois rien là. Ouais, c'est bon. J'ai pas vu. J'avais pas vu non plus. Hein. Ah, mais si t'es pas prêt là. Est-ce que, évidemment, le dernier plasmide que je viens d'avoir, je ne l'ai plus déjà. Ça, c'est un armé. C'est presque fini. Ouch. Oui, vas-y, bien, Coco, bien. Ouais, non, reviens. Ah, vas-y, oui, donne-moi le trophée, s'il te plaît. Oui. Ah, je l'ai. Ah, ça va, j'ai la recherche. C'est bien. L'enragé qui me manquait, mais il me manquait surtout que lui. Ah, ça fait plaisir de l'avoir. On aura fait toutes les recherches. Et donc, j'avais bien fini toutes les autres. J'étais pas sûr à 1000%. Armure corporelle 2 en plus on débloque, ça fait. Merci Vitini pour le GG. Mais fallait pas désespérer, mais non, j'ai bien dit qu'on allait combattre des gens, mais c'est vrai qu'en plus ça aurait été chiant de rater à un chromosome quoi. à un film utile, c'est ça, je suppose que c'est un ouais, utile dans toutes les situations délicates. L'armure corporelle 2 allie une protection supplémentaire et automatique contre les petits tracas de la vie quotidienne. Sans plus attendre, essayez l'armure corporelle 2. Mais oui, on la veut. Et comme d'habitude, je ne sais pas si ça se cumule entre le 1 et le 2. Ou si ça s'additionne ou si ça s'annule. Donc je n'en porte que 1. Parce que voilà quoi, si ça s'annule, c'est de mal, j'en portais 2. Aïe. Plein de gens là, effectivement là. Ah ouais, mais elle a dit qu'elle revient, non? Ouais, elle est prête. Vas-y, bon. On l'aide. On va s'en servir. Ah ouais, mais Magama, quoi. Ça serait bien de respecter les volontés des gens aussi.
perdu là avec l'Odino. Oh c'est bien. C'est ma mère l'explosion là pour le trou. Ah, vas-y, combat pour moi, hein. Moi je me mets dans le coin. T'as vu? Ah non. Il s'arrête vraiment. Voilà. La belle explosion. Il n'y a plus d'eau dans le ballast. Tu peux libérer le disque. Et ça marque la fin ou vaut mieux que j'aille racheter de la santé avant? Il y a un magasin là, il y a quelque part un magasin. Parce que si, je sais pas si c'est la fin ou s'il vaut mieux racheter avant. On va peut-être. Il y a où le machin là? La boutique. Allez, putain. Là. Je vais racheter des trousses de soins, on sait jamais. Je pirate même plus là. Je prends même plus le temps de pirater. On doit équilibrer la pression ici pour pouvoir ouvrir la porte. Casse les tubes ouverts pour inonder la pièce. Oui. Mais ouais, ouais, mais vous prévenir que guérir. Ah ouais, c'est vrai, c'est la frustration ultime. Surtout que j'étais en train d'en filmer un. Et que je suis mort. C'est un enragé qui m'a tué. Enfin, il y en avait deux et ils étaient deux. Il y en a un qui m'a tué. Et donc, je sais pas si c'est. Si j'ai réussi à faire un score en le filmant ou si j'ai fait un truc tout pourri. Donc, si ça, j'avais raté aussi à cause de lui, ça m'aurait un peu embêté. C'est la fin du jeu, ça, non? Allez. Les bombes! Attention! On va couler! C'est moi qui contrôle la course. Ouh, ah, ah, la boulette. Ah ouais, elle se barre. Super la fille, genre je t'abonnerai pas. J'adore les enfants, bien sûr. Je suis pas mort, je ne suis pas mort. Ça a rien fait au Batiscaf. Et on remonte comme ça, il n'y a pas de souci avec la pression de l'eau. Déjà qui n'est pas trop forte sur nous. Et on, normalement on est censé faire étape par étape. Sinon, si tu remontes trop vite à la surface, tu meurs. Le cœur n'a plus le temps de s'acclimater à la pression. Tu m'as appris que le mal n'était qu'un mot, une douleur qui nous modèle à sa guise. Pour toi, le pardon est une victoire. Tu as fait des sacrifices. Tu as souffert. Lorsque tu en as eu l'occasion, tu as pardonné. Chaque fois. Ma maman sait que ce monde était perdu. Elle avait tort, papa. C'est nous qui sommes l'utopie. Allez, vas-y. Et en pardonnant, nous lui avons ouvert la porte à elle. Embroche-la, là. Embroche-la. Mais embroche-la, ma fille. Fais plaisir à Papounet, là. Maintenant, elle l'a sauvée. Oh, elle devait l'embrocher. Oh. Ça sera difficile quand on dit qu'on fera des mauvais choix. Peut-être qu'elle va l'embrocher. Enfin, on va devoir s'en faire des mauvais choix. Il faut l'embrocher, quand même. Mieux vaut qu'elle se sauve si de toute façon tu es condamné. Oui, c'est sûr, mais c'est un peu moche. Mais en m'éveillant, je revis. Ce monde n'est pas prêt à m'accueillir. Et pourtant, je suis là. Comme il serait facile de me méprendre à leur sujet. Mais c'est moi qui vais encore embrocher, là. J'ai besoin que tu me guides. Mais moi, elle m'embroche. Bah vas-y. Tiens, papa, je t'aime. Je pleure. Une petite aiguille dans le bidou là, on récolte la dent, les anges. Eh oui. La petite Eleanor, l'ambe. Mais ouais, ça fait plaisir de l'avoir aussi bien en cinématique. Tes souvenirs,
tes désirs. Quand j'aurai besoin de toi, tu seras à mes côtés. Une toute petite voix, à peine perceptible. C'est nous qu'on s'est sacrifiés, là ? Ah, une grande sœur. Bah, sympa le cadeau. Si l'utopie n'est pas un lieu, mais un peuple, alors notre choix doit être consciencieux. Car le monde va changer. Et dans notre histoire, Rapture n'était pas la fin. Mais le début. Fini le jeu. On a fini le jeu. Contre toute attente. Non, ça c'est encore aujourd'hui. Contre toute attente. Par contre, il va falloir attendre qu'un bateau se ramène dans le secteur ou passe par là pour les sauver. Hein, parce que sinon, elles vont toutes mourir de faim sur le batiscaf. Hein. Et de soif. Enfin, de soif. C'est con parce qu'il y a tellement d'eau salée malheureusement à portée de main. Mais sans quelque chose qui se ramène pour les trouver, elles sont condamnées, non? Est-ce que c'est vraiment une victoire? Je ne sais pas. Mais merci Vixini, merci pour le GG. On aura fini. Oh non, et on sait même pas. On n'a même pas vraiment dû prolonger au final. Hein. Donc ouais, ça aurait été vraiment chiant si j'avais fait un live hier. On aurait fait quoi? Une bonne heure de live aujourd'hui? Ouais, donc heureusement qu'il n'y a pas eu le live d'hier au final. Ils ont qu'à ramer. T'as vu quand même le batiscaf, enfin certes il est dans l'eau donc ça serait, il va quand même avancer, mais je pense que ça a son poids quand même. Et il faut se fabriquer des rames, je suis pas sûr d'en avoir vu. Ou alors elles se mettent de derrière et elles battent des pieds là. Ça va être un peu compliqué. Après, Eleanor savait se téléporter, mais jusqu'à quelle distance? Est-ce qu'elle doit voir là où elle se téléporte ou pas? Et c'est pas ton souci, non, c'est vrai que c'est pas notre problème. De toute façon, on est mort, non. On était le papa, on a mouru. Hein. Enfin, elle a dû préserver peut-être encore un petit bout d'ADN ou je ne sais tout quoi de... Ou... Je sais pas ce qu'elle nous a repiqué. Hein. Mais elle nous a repiqué, la petite. À la fin, elle se démerde. C'est pour m'avoir abandonné là juste avant l'explosion. Saloperie. Elles ont des rêves qu'elles s'en servent. Ah, pour des voiles. Effectivement. Des rangs avec les voiles. Ouais. Après, tu arrives à les coudre. C'est vrai que tu peux avoir une petite surface de voile. C'est horrible. C'est horrible. Après, si on fait une voile, faut qu'il y ait du vent. S'il n'y a pas de vent, la voile ne servira à rien. Enfin, sauf si elle souffle elle-même après. Allez, pour. Si jamais elles arrivent à rejoindre la vie comme ça, enfin, la civilisation. Ouais. Ils en ont remis à baver les pauvres, mais ouais, l'utopie sur une liste. Mais l'utopie sera surtout entre filles. Hein. Des filles à poil, c'est ça l'utopie. On l'avait bien vu hein, sur le batiscaf, hein, de part et d'autre. Hein. Le dessin de la madame, c'était un indice. Des Amazones de la mer. Ouais, les Amazones de la mer. Voilà, l'utopie. C'est peut-être comme ça qu'est né Waterworld. Non. C'est juste que là, c'est l'eau qui a bien monté, le niveau de la mer qui a bien monté Waterworld. Mais ça pourrait être un préambule. Du coup, ce qui reste à faire, il y a un trophée d'action. Alors, t'es dans quel
séquence. Ça, je referai en facile quand je récupérerai tous les journaux audio, parce que je n'ai loupé les journaux audio, mais ça, c'était prévu. Il y avait un moment donné, on avait vu une figurine d'Andrew Ryan lors d'un parcours d'automate. Je sais pas si tu te souviens, mais il fallait en fait faire une action particulière. En plus de ça, j'ai cassé la tête du Andrew Ryan, et il fallait le faire avec autre chose. Je l'ai fait, je crois, avec en tirant dessus ou en le tapant avec ma foreuse, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc je remonterai, ou quoi que je peux le garder, le remontrer en difficile, c'est pas trop gênant. J'ai raté, au moins à mon avis, un Power to the People, donc les stations pour améliorer ses armes. Mais ça, c'est pas trop grave, on refera, soit on les reprendra de toute façon en difficile, donc c'est pas grave. Les journaux audio, donc surtout, que ça que j'étais prévu à faire en une run de mon côté. Et ce qui me restera à faire, c'est donc la run en difficile et la run en sans vita chambre. Je vais évidemment cumuler difficile sans vita chambre. Donc cette fois-ci, c'est même pas ces deux trophées distincts. C'était même pas une obligation. J'aurais pu faire le sans vita chambre maintenant, ce qui m'aurait facilité la vie pour le mode difficile. Ça aurait pas été drôle. Il remercie énormément de personnes. Pas dire tout le monde à la place. 53 596 zombies ont été tués durant le développement de ce jeu. Sachez-le. Ça en fait beaucoup. Paye à leur âme et à leur famille, bien sûr. Et on a donc fini Bioshock 2 pour cette découverte. J'ai beaucoup apprécié le jeu. Franchement, je ne connaissais pas du tout celui-là, cet opus. Très agréable, content de l'avoir fait, de l'avoir découvert. Du coup, la prochaine fois, on attaque le mode difficile sans vita chambre. Et dès qu'on l'a fini, on attaquera Bioshock Infinite. Donc, j'aurais pas hâte d'attaquer le mode 1999. Mais vraiment pas. Parce qu'il va y avoir du truc. Il n'y a pas de trophée lié. Si. Le trophée, vous avez terminé le jeu en difficulté maximale. Donc il y aura un deuxième run à partir du prochain live. C'est ce qu'on attaque. La run difficile sans vita chambre. Parce que je cumule les deux. Donc on aura deux trophées à la fin du jeu plus le platine. Et il y aura en principe, peut-être si je les fais pas tomber sur ma partie en facile, il y aura deux trophées en cours d'histoire. Il me manque en tout 1, 2, 3, 4, 5 trophées plus le platine. Hop. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ah, c'est ça que je voulais regarder. Est-ce qu'on peut commencer demain? Ah, si on a de la voix. Si la voix elle est pas cassée d'ici demain. On pourra pas, hein. Pas demain. Clairement pas demain. On a été au moins tranquille pour au moins finir le jeu. Et on n'aura fait que en 4 lives, hein, surtout. Ça a été assez rapide. C'est vrai que ça a été, à mon avis, 4 bons lives sur la durée. On a quoi là déjà? Ah ouais, il y a eu des soucis de connexion, mais on est à quasi 4 heures, un peu moins de 4 heures, avec les soucis malheureusement. 4 heures, 3h45, 3h40, ouais, on a chopé des gros lives, mais sinon... Ah ouais, le premier Bioshock, on l'avait fait en 6 parties, hein. Ah, il y a eu des parties plus courtes, là ça pourrait faire une partie, pas du tout. Non, il est bon, apparemment un peu plus court que le premier. Finisse pas. Putain de la musique.
Mais oui, très bien. À mon avis, on peut les écouter sans jeu, c'est les musiques des BioShock. Ou certaines, en tout cas. C'est fini, on est revenu sur l'écran titre, on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne journée, bon courage pour la suite du boulot, et donc aussi déjà en avance un bon week-end, courage, et on se reverra j'espère assez rapidement la semaine prochaine pour BioShock 2, mode difficile sans vie ta chambre. Des bisous, bonne journée à tous et merci d'avoir assisté à ces lives. A plus Vitini, bonne journée à toi aussi, bye bye. Watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her.